Salut à tous, une petite vitesse Batman vitesse de la vérité pour les amateurs et les amatrices. Donc, il n'y a pas de lézard, il faut bien bosser en salle, on n'a rien sans rien. Donc, après, c'est par rapport à la génétique, vous avez plusieurs statuts de génétique où vous pouvez. Il y en a qui peuvent prendre de la masse tout de suite, il y en a qui. Des années de masse, c'est tout dépend de la morphologie familiale et tout dépend. Il y en a qui sont nés quand même assez épais, un ou une. Après, il y en a qui sont nés avec. Ils sont tout maigres, maigres ou minces. Tout dépend de vous. Tout dépend. C'est de la famille. C'est de la famille, la morphologie et. Donc après, ça peut donner un plus aussi pour les gens quand même qui sont fins ou maigres, ou ectomorphes, ils ont quand même du mal à prendre du poids, de la masse musculaire. Quelqu'un qui a déjà des formes qui est un peu grassouillette peut plus facilement à s'adapter pour prendre de la masse musculaire. Je connais des tas de personnes. Il y en a, ils faisaient 125 kilos. Là, aujourd'hui, c'est devenu un bon bulldog. Putain, un bulldog, hein, mec. Hein. Puis, c'est pareil pour les femmes aussi. C'est pareil, quand elles sont grassouillettes, après, elles peuvent évoluer en masse musculaire. Après, c'est devenu des bons petits bébés. Je vous dis à la prochaine. I wanna to biceps. Si vous aimez bien, likez, bye bye.